Boudère est à l'affiche du Grand Cirque, film qu'il a lui-même réalisé et qui sera en salle dès demain. Un projet qui lui tenait beaucoup à cœur, puisqu'il s'agit en quelque sorte d'un hommage au personnel soignant. Il s'est notamment inspiré de sa propre histoire, comme il l'a révélé ce mardi 14 février sur le plateau de Touche pas à mon poste. Je vis ma deuxième vie, parce que quand je suis arrivé au monde en 78 au Maroc dans un petit village, je suis né avec des complications de respiration, a-t-il expliqué dans un premier temps. Le docteur du village a dit à ma mère, cet enfant ne passera pas l'IV. Mon papa était en France, il a dit, non, on va le soigner. Je suis arrivé à l'hôpital Necker, j'y suis resté pendant 7 temps, entre entrée et sortie. Et voilà, je me suis soigné, et comme on a coutume de dire, faut pas oublier d'où on vient, moi je viens de l'hôpital Necker et je ne suis très fier, a-t-il ensuite détaillé, avant de passer un message à ceux tous ceux qui sont dans les hôpitaux, en leur demandant de garder espoir. Je suis avec vous, force à vous.